Les anges, un candidat arrêté par la police, une très grosse connerie, c'est la merde. L'un des candidats qui a participé aux anges de la télé-réalité, sur l'énergie 12, était dans de beaux draps ce jeudi 19 janvier 2023. En story Instagram, le jeune homme en question a révélé qu'il s'était fait arrêter par la police et a expliqué pour quelles raisons. Samir Benzema se fait discret depuis sa dernière participation à une émission de télé-réalité. En 2015, il a monté et dirige l'école Airlook Academy, pour aider des personnes à percer dans le mannequinat ou le monde de l'influence. Il a également lancé Airlook Agency, spécialisée en production vidéo et photo. Il compte également lancer Business Club Car. Côté privé, il est fiancé à une certaine Mélanie, avec laquelle il a eu sa petite fille Iliana, bientôt 3 ans. Une vie posée en somme. Mais ce jeudi 19 janvier 2023, il revient sous le feu des projecteurs pour une histoire dont il se serait bien passé. Style Diva place Holdé à 1 et à 1, 8 300 px, minimum et 250 px, at Media Screen End, minimum 8 990 px, Diva. À place Holdé à 1 et à 1, 8 620 px, minimum et 350 px, style. J'ai fait une très grosse connerie. Je me rendais chez Atoll Covering à Salon de Provence. Je me suis fait arrêter par les gendarmes à cause d'une très grosse vitesse. Ils étaient en Golf 7R et je pensais qu'ils voulaient faire la course, sans savoir que c'était des gendarmes. Sachant qu'ils avaient les vitres teintées, a écrit Samir Benzema dans un premier temps. Il a ensuite partagé une photo sur laquelle on peut voir les fameux gendarmes en train de le verbaliser. Là tu sais que c'est la merde. Plus de permis, saisie du véhicule. Tribunal. Je ne peux pas dire à combien j'étais, mais très haut, peut-on lire en légende de la publication. Il a heureusement précisé que ce n'était pas un exemple à suivre, et a recommandé à sa communauté d'être prudente au volant. Il a pourtant publié une vidéo par la suite alors qu'il était en train de conduire sa Porsche. Ce qui aurait pu lui valoir de nouveaux ennuis s'il avait de nouveau croisé la police, 135 € d'amende et un retrait de 3 points du permis de conduire. J'ai eu le pied un peu lourd sur l'accélérateur. J'étais en retard ce matin. J'avais rendez-vous avec une société pour m'installer les vitres teintées sur la voiture. Et il y a une Golf Air bleue nuit, vitre teintée, qui s'est mise à l'arrière. Je ne pensais pas que c'était les gendarmes. Donc je me suis fait arrêter. Par chance. Il n'y avait pas de radar. Donc c'est juste une amende pour vitesse excessive. Petit coup de pression quand même ce matin, a-t-il conclu le sujet.